bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 25. Je vous cache pas qu'on a débarqué en Y à l'aide d'un bateau volant. Ça c'est assez incroyable, c'est cocasse si je puis me permettre cette petite expression. On va aller voir derrière parce que forcément on avait une grande porte. Je pense que c'est là qu'Odin conserve ses meilleures pistes sur Jotunheim. D'accord, on est à deux doigts de sortir les amis. Du royaume des morts. Clairement ça sent la fin du jeu, on va pas se mentir. Incroyable, incroyable. Ces 24 épisodes, quel plaisir de les enregistrer un à un. Waouh! Ok, œil du royaume extérieur, un enchantement. Ajoute un bonus à toutes les statistiques. Incroyable. Incroyable, donc le mec qui est arrivé jusqu'ici et qui s'est pas dit, bah attends, on va prendre la porte de derrière, il est totalement biaisé, si je peux me permettre le propos. Donc on va s'en équiper de suite, parce que là, les gars, je sais pas, par contre... Ah, voilà, c'est dans l'armure. On peut l'équiper où? Attendez, hop, hop, ça va aller très vite, hop. Et on l'a, regardez, plus 7 partout. Incroyable. On le met, hein. On le met directement. Et là, on a autre chose encore de très intéressant. C'est la marque qui permet une récupération plus importante. Là, les mecs, franchement, très très cool ce début d'épisode. On va passer. On va sortir les lames de. Les lames du chaos, évidemment. On sait jamais qu'on va. On va les ranger finalement. On va les ranger. Non, j'étais pas chaud. Voilà, on va les ressortir. On va les ressortir, ces lames du chaos. Parce que là, j'en ai marre, ok? Oh, très bel arbre qu'on a là. Il est temps de créer la marque et de partir. On y va. Alors là, par contre, attendez, parce que je ne sais pas. Il y en a un ici. Un ici. Très bien. Alors, comme disait Oncle Benz, ça sent la douille. Un là. Très bien. Deux là. Ah, il n'y en a que deux. D'accord, ok. Un petit prank comme ça, des familles, ça fait plaisir. On y va. Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. D'accord. Si ça, c'est du mauvais goût, j'aimerais bien avoir des choses pareilles. Assez incroyable. On est chez Odin. Allez, j'ai peur. J'ai pas quitté ce des morts, là. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux, ce sont des joyaux, comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à Anne. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir... Et d'autres choses encore. C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. Alors, là, les gars, cette fresque est sûrement l'une des fresques les plus intéressantes depuis
ce début du jeu. Donc là, le symbole Omega, bien connu. Enfin, je crois que c'est le symbole Omega. Arrêtez-moi si je me trompe, je peux me tromper, mais quoi qu'il arrive, ça rappelle la trilogie God of War, évidemment. Ça, c'est le symbole dans lequel nous sommes, la mythologie nordique pour l'instant. Ça me rappelle la mythologie forcément un petit peu égyptienne. Et ça, j'en ai aucune idée, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Sachant qu'ils ont déjà prévu 5 autres God of War avec celui-ci, clairement, on va naviguer comme des colis à travers diverses mythologies. Et il en restera 2, sachant que celle-ci ne finit pas à la fin de ce jeu-là, hein, cette mythologie nordique. Donc, c'est très 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 intéressant. Ça montre le potentiel quasi infini de l'histoire de God of War qui peut être exploité. Et ça, franchement, c'est le petit peu. Après, à savoir si ça sera Kratos tout le long, j'ai déjà quelques petites théories. Mais pour être honnête avec vous, je ne pense pas. Hein. Kratos ne pourra pas survivre toutes les mythologies. C'est pour ça que Atreus est en entrée de jeu, si je puis me permettre. A voir, peut-être que je me trompe. J'aimerais que Kratos, on le voit Atreus, tout le temps, mais bon. J'y crois moyen. Tout à l'heure, ce que tu as vu... Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard? Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Comme tu veux. D'accord, c'est très bizarre tout cela, c'est très bizarre. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain ? Je pense très sincèrement que le gamin fait exprès de dire qu'il n'a pas vu. Pour moi, il a très 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 bien vu. Comment on va faire là, cette petite sombrerie là ? Ah, les racines, elles sont là ! Je voulais vous dire aussi quelque chose de super important que j'ai totalement oublié, mais on aura tout le temps de le rappeler d'ici la fin du jeu. Peut-être que ça va me revenir, mais j'y pensais pendant cette petite cinématique dans l'ascenseur. Et je vous avoue que ça m'est totalement sorti de la tête. Donc, direction... Non pas Asgard, non pas Niflheim, non pas... Mais non, mais tout simplement, retournez à Midgard, les gars. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis possédé, manipulé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, c'était incroyable, bien en plus. Tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Oui, mon enfant? Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même! Oh, je me demande bien depuis quand? Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir! Oui, mon enfant? Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Oh. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Waouh! Je pense qu'il va falloir doter le cul de Freya pour essayer de trouver le point faible de Baldur, sinon ça me paraît bien compliqué cette petite histoire. On va pouvoir améliorer nos lames du chaos, et ça, c'est incroyable. C'est parti, le nain, fais-moi rêver. Tu peux la fabriquer? Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis, pour ainsi dire, le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum, et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là! Allez, au boulot! Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer.
Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température. Chaudement. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je vais tremper 3 fois dans l'huile de drogueur. Oh. Tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh! N'oublie pas ça! Arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous ? Nous n'avons pas que ça à faire. Très bien, on va améliorer nos lames du chaos, ça y est, ils sont de retour ensemble. C'est cet alchimiste que je t'avais dit. Et ça, c'est beau. Allez, amélioration lames du chaos, totalement disponible. Lames du chaos, elles sont ici, elles sont belles, elles sont magnifiques. On va les... Regardez, attendez, vous les voyez dans mes mains, regardez bien. Maintenant, envoie-les tout ça, elle. Incroyable, aucune différence. On les a améliorées, ça c'est fait. Peut-être en quittant, on verra. À voir. Allez, on est parti. L'autre chose, c'était quoi déjà ? On y va. Direction Baldur. Le grand méchant de ce God of War. Mais sachant qu'il y a Odin et tout, on est très très loin. Je pense clairement qu'on est sur une nouvelle trilogie. Je pense sincèrement, les amis, que on est sur une nouvelle. On va rester au moins encore 2 jeux là-dessus. J'en suis presque sûr. J'ai trouvé ce que je voulais vous dire. Je trouve ça dommage que on n'ait pas passé plus de temps à savoir pourquoi Kratos a le corps recouvert de cendres. Alors, c'est une malédiction qui a été lancée par une sorcière suite à une terrible erreur de la part de Kratos. Mais c'est dommage que son fils se pose pas une seule fois la question. Pourquoi tu es cendré, si je puis me permettre. Allez, on y va les gars. On a la grande clé. J'hésite à retourner voir Freya, mais je suis pas sûr. Ymir, tu t'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Pourquoi Freya a accepté d'épouser Odin? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah d'accord, et tu veux pas la continuer, genre rien à battre. Très bien. Bon, on fait tout le tour. Hein. On fait tout le tour avec un véritable plaisir. Oh, ce joli coffre. Il est pour moi. 172 mètres. Hein. On s'éloigne et ça va très très vite. On fait tout le tour. Bah les gars, on reste à l'ombre en plus. On va pas choper un coup de soleil. Kratos, il a déjà la peau bien blanche. On va s'arrêter ici. On va récupérer le coffre. On va faire tout le tour à pied maintenant. C'était pour vous faire un petit tour du propriétaire. Très sympa. Hein. Très sympa par ici. Hein. Allez, on se gare, on refait tout le tour à pied pour récupérer le coffre par la même occasion. Et on va pouvoir trouver cette porte qui, je supposais, tout simplement, à mon avis, par ici. On verra. On va réfléchir à tout ça, les gars, on a le temps. On y va, le coffre est super loin. Il a intérêt à être fondant croquant. En tout cas, c'est un coffre en or. Je pense que ça vaut le coup. Hein. Entre vous et moi, à mon avis, c'est le petit fire. Régale-moi, il y a intérêt... Pour aller aussi loin, allez, je mise sur une... Soit une ressource, genre cool, acier trempé, un truc comme ça. Soit un nouveau stuff. Ça serait bien un nouveau stuff. Oh là, c'est un beau coffre, là. C'est un très beau coffre. C'est une rune. Manche de guerre aérien, très bien. Eh bien, c'est pas mal. Moins 8, mais par contre, plus 3 en chance, plus 2 en force. Peut-être pas le mettre. Non, on va pas le mettre. Je pense que c'est mieux de garder la force sur le coup et la défense. On verra plus tard. On a le temps. Mais en tout cas,
clairement, si je dois résumer ces 25 premiers épisodes, quel plaisir. Comme je dis, le jeu est gourmand dans le sens où on ne te rabâche pas la même chose. On a cette sensation de monter en puissance incroyable. À chaque épisode, on découvre soit une nouvelle arme, soit de nouvelles runes. On a ce côté RPG un peu qui, je trouve, a tellement valorisé le jeu. Et ça nous donne tellement de envie de continuer, envie de découvrir un nouveau stuff, d'être quasi mortel, surtout quand on voit par exemple les Valkyries. Les Valkyries qui sont monstrueuses. La ruine de tir, c'est ça. En termes de puissance. Donc même quand le jeu est fini, tu n'as fini que l'histoire finalement. Il y a encore tellement de choses à faire. Explorer la salle secrète. On est entré. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. Très bien. L'arbre. On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. D'accord. On est un peu dans les coulisses donc du changement de royaume. Ah, c'est cool. Si on peut en apprendre un petit peu plus sur le mécanisme de voyage entre les royaumes, ça serait juste insane. Ok. Je vois quelque chose là-haut. Effectivement, il y a bien quelque chose là-haut. Là-haut. Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Ah, la porte est pas à l'envers. Pas d'ici. La porte est totalement à l'envers, incroyable. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Waouh. Bah c'est l'entrée du royaume, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Vous croyez qu'il faut on a des coulisses. Mais c'est juste dingue. Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Cette tapisserie, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Incroyable. Je suis bouche bée les gars, je regarde un peu, je me permets. Je vais faire tout le tour. Toujours aller au-delà des émotions et des sentiments dans ce jeu. Parce qu'il y a souvent des coffres renfermés. Et là, on a fait tout le tour. C'est totalement dingue. Je suis perdu. On va peut-être pas aller trop loin dans les sentiments et les émotions. Il y a un mec qui a réussi à venir jusqu'ici déjà. Psartek de ouf. Il y en a un autre. Ok. Wow. Qui est-ce? Zone découverte. Le hall de Tyr, bien évidemment. Ok, ok. Incroyable, mais vrai. Atreus, c'est bien la rune pour Jotunheim? Oui. Et regarde, on est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses? Recule. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, Kratos, tu vas pas tourner la porte. Il bouge. Qu'est-ce qu'il bouge? Il va pas retourner la porte. Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial. Faire quoi? What? Je suis aussi choqué que toi, Mimia. Oh oh. What? Bon, elles n'ont pas l'air d'attaquer. Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. D'accord. Il n'a pas écrit les mêmes choses sur les statues. Lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aos. Bagarre ou pas bagarre? Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre? C'est quoi? Tu as dit qu'il y aurait un chemin, et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Ok. J'ai
peur de tout ce qui va se passer. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait, peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. D'accord. Oh, une belle fresque. Peut-être une fresque incroyable aussi. On a une porte à droite, une porte à gauche. Très bien. C'est parti, fais-moi rêver. Encore un de ce côté. Son nom était Bergelmir. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse? Ça arrive, mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. Fresque trouvée, 6 sur 11. On n'est qu'à la moitié des fresques trouvées. Tiens donc, tiens une donc. Une armée alors. De statues. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde de paix qu'il imaginait, les seuls soldats dont il aurait besoin seraient des statues. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux, non? Ok. Oh la vache. Encore ces pièges mortels. Très bien. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser les garçons me porter un peu? Ah. Te laisser rater ça? Non. Ça ok. Alors là, les gars, à moins d'être un ninja, frère. Oh putain, que Dieu me protège. Aïe. Aïe. Bon. Le plan a échoué. Ok. Voilà, je les aligne toutes. Ah ouais, mais alors là, c'est une sombrerie, là, si je puis me permettre. Ah, non. Je crois l'avoir trouvé ici, non? Ah oui, c'est très sombre. Ah, c'est très sombre. Ah putain, c'est chiant. Très bien. Très bien, je peux l'atteindre. Voilà. Sacrée histoire. On va y arriver, on va y arriver. Savoir apprécier les petites choses de la vie, vous voyez. Oh oh. Ah. Complexe, complexe. Très complexe, attendez. Voilà mon pote. Y'a qui, y'a quoi ici? Ouais, je criais, c'était mon cri de guerre, mon gars. Telle est la vie que j'ai choisi. Hop, ça en prend. On prend parce que je suis en bien tous les états, si je peux me permettre. On se remet full life calmement. On a... Oh, d'où Jésus? D'où Jésus? Ok. Très très bien, donc ça tourne... Ouais, ouais, ouais. Et merde! Attendez, hein, on teste des trucs. Déjà, on va ouvrir cette putain de porte. Comme disait Maître Gims, ça sent la douille, cette connerie. Voilà, je suis en sueur, hein, les gars. C'est compliqué, là, cette petite histoire de l'âme qui tourne. C'est très compliqué. Boum! Nouvelle attaque! Allez, on va voir un petit peu ce que ça fait. Oh! Oh, ça, c'est de l'amour.
Non, pas ouf, pas ouf. Pas ouf. Pas très impressionnant. Très bien. Les amis, on est parti. D'accord. Ok. Très très bien. On va le foutre ici. De façon à ce que ça reste en haut. Je vois, mais oui, c'est clair. Très bien. Bon, je sais où le mettre celui-ci. Ah bah les gars, faut prendre son temps, hein. Ah ouais, mais là va falloir. Non, là les gars, va falloir qu'on dépasse. Ah! Oh putain! La chaîne, on a réussi. C'était terrible! C'est à toi de jouer, mon frère. Allez, première chaîne, c'est fait. Non, mec, ça relie les deux chaînes. J'ai bien envie de partir de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est très sombre. C'est très sombre ce qui va se passer. Ok, t'es prêt, fils? Aïe! Allez, ça dégage! Aucun problème! Pourquoi il y a des flammes? Mais c'est un lance-flammes qu'on a là! Ok. Ça, ça dégage. Je recule, hein. Il y a des flammes, c'est pas ouf. Aïe! Non! Non! Ok. Allez, ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Aïe! Allez mon pote, ça c'est cadeau, on va monter dessus, ça m'évite d'avoir contact avec les flammes. On lui ouvre la bouche. Allez, ferme-la, jeune homme. Ça dégage. Bon, très clairement, les flammes, ça me casse les couilles. Hop, ça, ça dégage aussi. Voilà, ça, ça dégage. C'est tout une ouverture en bonne et due forme. Tout ce qui est chirurgie passe à la maison, je m'en occupe les gars. Pas de soucis. Et ben voilà. Incroyable mais vrai. On a trouvé de l'acier trempé. Donc, attendez, parce que là les flammes c'est chiant. Allez, bien fils, avec ton petit couteau là. Ah, 2 sur 4, c'est pas mal. En attendant que les dieux soient venus. On peut attendre longtemps. Non, c'est nous qui attendons. Ok, bon, ça c'est fait. Là, je vois plus rien à faire. On va pouvoir retourner la pièce comme Jaja. Par contre, ce que je me demande... Ah, il y a quelque chose à faire ici après. Ah, c'est de la vie, il y a énormément de vie en vrai. Il y a un truc que je me demande qui peut être plutôt cool. C'est l'autre porte en fait. On avait vu une autre porte, on va essayer d'y aller. Attends, il n'y avait pas ça tout à l'heure, si? Allez, c'est parti! C'est très sombre ça, non? Attends, ça par contre, frère, abuse pas. Quoi? Il n'y avait pas ça tout à l'heure? Non, suis-je fou? La pièce a déjà... What? What? Qu'est-ce qui se cache derrière? Hop, viens par ici, toi. Ok. Allez, nous, on va le régaler. Ça
là là, je me régale! Mais quelle régalade! Allez, contre le mur, c'est cadeau, hein. Ça c'est Bibi qui régale. Oh, oh, excuse-moi, hein. Aïe! Attends, viens pas ici. Voilà, merci, ça dégage. Allez. Bien. Très bien. D'autres chaînes. Bon, je vois que tout a changé. On va passer par ici calmement. Ah non, il y a bien une autre chaîne à récupérer, c'est totalement fou. Et on va s'arrêter là, les amis, parce que l'autre chaîne est juste de l'autre côté de cette magnifique porte que je ne peux pas ouvrir apparemment. Ah, si, c'est bon. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour faire l'autre chaîne, waouh. Il faut savoir varier. Mais fais pas le con, frérot, hein. T'es déjà... voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.